Avec la petite rampe qui va bien, ne bougez pas. Ouais. Vous n'avez pas moyen de déployer une lacune de l'intérieur. Bonjour. Ah d'accord, vous avez des rampes amovibles pour faire pour combler les lacunes, d'accord. Parce que là, c'est vrai que c'était un peu limite quand même. D'accord. Ok, c'est l'ensemble qui se soulève. Et ça donc, c'est un système quoi, mécanique, pneumatique que vous avez. C'est pneumatique. Et donc vous avez un système, si c'est en, enfin, si c'est en pneumatique, oui, donc il n'y a pas d'électricité, si c'est juste pneumatique. Donc c'est l'intérêt, c'est que ça peut... Il faut vraiment qu'il y ait une fuite d'hydraulique pour que ça... Voilà. Voilà. Donc en termes de panne, normalement, c'est... Voilà. Hein, parce que c'est bon, tu t'occupes de cette partie. C'est bon ? Allez-y. Là, on va voir. On va voir, sinon je le... Voilà. Là, par exemple, c'est aussi pour ça, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles on a... Et donc oui, là, c'est pour monter à l'étage. Voilà. D'accord. Là, vous allez pouvoir aller donc à l'espace car, par exemple. D'accord. D'accord. Et là, donc, on peut mettre deux fauteuils. Voilà. Deux fauteuils, et donc vous avez une autre voiture où il y en a, on peut mettre quatre fauteuils dans un train, en théorie, alors. La 11 et la... On est censé se mettre dans un certain sens de circulation ou pas? Sur les espaces PMR, est-ce qu'on a la même chose sur la 1 en bas là-bas? La 1, la 8, je veux dire. Non, en bas. On peut aller voir, il y a 4 places. Ouais, ouais. On ira le vérifier. Il y a 4 places UFR en principe. Tiens, tu me prends des photos un peu. Il y a 4 places UFR, mais la 8, on peut aller voir là, juste à côté. Voilà, vas-y, mitraille, après je jetterai si... Mitraillé. Bon, très grâce du nettoyage, hein, comme la rame. Non, mais on s'occupe pas de... Voilà. On s'occupe de l'accessibilité, pas du nettoyage. Alors par contre, tu vois, ouais, pour se mettre ici, regarde, si je veux me mettre dans le sens de la circulation... Ça reste compliqué. Ouais, ça reste compliqué, tu vois, c'est... Enfin, voilà, c'est... Encore une fois, ils ont calculé avec un fauteuil manuel et pas avec un fauteuil électrique. Moi, je manœuvre bien, mais il y en a beaucoup qui... Non, attends, est-ce que j'arrive à rentrer? Ouais, moi, j'arrive, mais... Ouais. C'est sûr, d'accord. C'est ici, pas de ces zips. Et donc là, après, oui, effectivement, tu peux mettre une tablette ici qui te... Voilà. Si tu veux y aller. D'accord. Ouais. Oula, par contre, ouais, tu dois être fort, là. Et donc là, ta prise électrique, c'est quoi? C'est les prises Ethernet? Non, c'est des prises USB pour recharger le téléphone. Il y a des USB aussi. Lumière, et ça, c'est pour appeler. Appeler, ça, c'est SOS, d'accord. Ouais. Et ça, ils sont pas trop souvent déverrouillés parce que j'ai eu pas mal de plaintes, ça, sur les trains. Ah non, bah, les gars, vous avez raison, parce que sur les anciens modèles, ouais, il fallait penser systématiquement à l'activer. Ah d'accord, donc c'est maintenant, peut-être. Maintenant, c'est différent. C'est activé. Il est tout le temps activé. Il est tout le temps activé, et d'accord. Si, s'il y avait un dysfonctionnement quel qu'il soit, on a l'opportunité de le désactiver. D'accord, ok. Et il y a déjà ce métier qui consiste donc effectivement, lorsqu'on fait sa vérification de sa rame, comme on est dans le jargon, on ouvre là les boîtiers, on vérifie bien qu'il est bien activé, qu'il n'y a pas eu un dysfonctionnement. D'accord. Là, ils sont en train de retourner les sièges. Ça, c'est intéressant parce que c'est pas tout le monde qui le voit. Alors pourquoi retourner les sièges? Parce qu'en fait, en première classe, sur les rames Océane, tous les voyageurs voyagent dans le sens de la marche. Ah d'accord. Et donc vous avez un système qui vous permet Voilà. Oh, d'accord. Ah oui, ça c'est innovation. Ok. Et les sanitaires, allez, est-ce qu'on arrive à rentrer bien dedans? Alors par contre, c'est pas très malin parce qu'on peut pas fermer la porte. Ou alors qu'il y aille en marche arrière. Et si on va en marche arrière, on peut utiliser. Ouais, donc faut que tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu je rentre complètement là ou pas? Non, là t'interromps encore un peu. Et là encore? Ouais. Ouais, le problème c'est qu'après je peux plus descendre, tu vois. Et là je suis encore, je bloque la porte, non? Ouais. Et dans l'autre sens? Ouais, donc ils ont encore calculé par un fauteuil manuel. Ben oui, mais le problème c'est que si je rentre comme ça, je peux pas me lever. Le fauteuil roulant. Et si je
retire la tablette. Oui, non, si je m'avance, le problème, c'est dans l'autre sens. Attends, je voudrais si... On a encore 5 minutes ou pas? Ouais. Attends, qu'est-ce que je vais faire? Tu vas me prendre ça, je vais fermer l'ordinateur, retirer la tablette et je vais voir ce que ça donne. Arrêt de la caméra après plusieurs tentatives pour rentrer en marche avant, en conservant la tablette qui supporte mon ordinateur, puis en marche arrière, sans succès, impossible de fermer la porte. Je finis par retirer la tablette de l'ordinateur et par re-rentrer en marche avant. Et là, effectivement, j'arrive à faire rentrer complètement le fauteuil à l'intérieur. Et pour fermer la porte, comme vous l'avez vu juste avant, il y a un bouton vert sur le côté gauche qui sert depuis l'intérieur à fermer la porte, et puis un autre pour la verrouiller. Malgré tout, on est dans un espace extrêmement contraint, qui n'est pas adapté à un fauteuil électrique. Si je garde mon joystick à sa place, je n'ai pas la place de me transférer. Si je l'écarte, je serai gêné sur la cuvette. C'est quand même loin d'être satisfaisant.